Les jours à endurer ça. C'est quelque chose pareil. Oui, vous imaginez en train de checker ça. Autant que caméraman, autant que le public qui nous check du web et tout. Pis... Des fois, on est tellement inintéressant. Des fois, c'est tellement trippant. Tellement. Des fois, c'est drôle. Des fois, c'est triste. Des fois. C'est bien particulier. Je suis toujours fasciné par le phénomène. Je suis toujours fasciné par ce qui se passe à l'intérieur. Je regarde toujours ça d'un œil critique. Je regarde toujours ça d'un œil. Des fois, j'essaye de comprendre l'être humain là-dedans. Je suis deep à soi. Désolé. Non, sérieusement, j'analyse ça. J'essaie de voir le comportement humain. Pourquoi que les humains agissent de telle ou telle façon. Et ça qui est fascinant, c'est que moi, dans mon cas, tout ce que je veux faire ici, c'est pour donner un show de TV. Il y a des gens qui sont vraiment comme ils sont dans l'off. Et ça, sérieusement, ça fait peur. En tout cas, moi, ça me fait peur. Je sais pas vous autres, là, mais moi, ça me fait peur. Vraiment en train de tomber de fatigue. Il doit être tard. Il doit vraiment être tard. De m'imaginer demain soir comment ils vont sauver les gens. Ils vont-tu les sauver deux par deux? Ils vont-tu les nommer à tour de rôle dans un court intervalle? C'est de m'imaginer c'est quoi qui parle du ringard là. Vous savez, tu sais, moi j'ai l'œil du lofter, puis j'ai l'œil du panéliste. Moi je suis capable de me mettre dans les deux rôles, puis j'essaie de m'imaginer c'est quoi qui peuvent parler. De qui? Comment? Des fois ça. Ça me perturbe un peu. Qui? En autant qu'ils disent pas que je suis déséquilibré parce que je vous parle dans la nuit, là. Moi, comme je dis, puis je le répète, puis je le pense vraiment profondément. C'est vous autres qui tenez notre destinée entre les vos mains. C'est vous autres qui décidez si on survit ou si on part. Fait que le fait de pas vous prendre en considération, c'est stupide, c'est innocent. Et il y a très peu de gens qui l'ont compris à date. Passé quand il y avait le party puis Cassini est allé se coucher, j'ai failli aller mettre plein de produits dans les cheveux puis tout, puis faire comme teint pour y remettre le coup qu'elle m'avait fait l'autre jour. Durant, était quand elle m'avait beurré, mis de l'eau sur moi, puis en tout cas, bref, pendant que je dormais. Là, je me suis dit, ça vaut-tu vraiment la peine? Est-ce que je vais me sentir mieux en tant qu'individu en faisant ça? Ou ça peut être drôle quelques minutes, mais quelque part. C'est-tu vraiment impressionnant? C'est-tu quelque chose que je veux faire? C'est quelque chose que je fais comme « wow, c'est jamais vu ». Non, non. Dans ce temps-là, je suis comme porté à faire comme Morgane, je m'en balance. Et tant pis pour elle, c'est pas important.
Vous êtes combien à me regarder à cette heure-là? C'est de m'imaginer. Toujours en train de réécrire mes, ce que je dis sur des forums ou des trucs, dire « Oh mon Dieu, c'est le fun de nous parler à soir » ou « Mon Dieu, il est donc bien ben freak encore debout, lui. » Bon, autant que vous jasez de moi, c'est un important. Gênez-vous pas pour starter un autre anti-fan club, je les aime bien gros, ceux-là. Mais j'aime plus mes fan clubs. Je dois avouer que vous me faites toujours plaisir avec les fan clubs qu'il y a. Toujours impressionné des gens qui sont derrière moi. Je vous remercie encore. Vous savez, pour quelqu'un de d'ordinaire, je suis pas. Je me prends pas pour un autre, je suis pas une beauté fatale, je suis pas l'être le plus intelligent sur Terre non plus, j'suis un gars banal en soi. C'est toujours impressionnant de voir des gens qui nous supportent de cette façon-là. Parce qu'on n'a pas le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire non plus. Oui, mais c'est sûr, bon, on fait un show de TV, ça je suis d'accord. Mais il reste quand même que, à la base, je suis comme vous autres. J'ai pas eu une éducation particulière, j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis ici, comme vous, vous pourriez être ici. Fait que je trouve toujours ça, wow. T'sais, voir que des gens me supportent juste pour moi jouer ma game. Hey, mon petit personnage méchant de la story. C'est spécial, c'est. Des fois, j'ai de la misère à le décrire. Des fois, j'y pense et je fais comme, wow, ça dépasse vraiment ce que je pouvais imaginer à la base. En tout cas, je vous remercie d'être en arrière de moi. Profondément, là. Je le dis, je le répète tout le temps, mais c'est vrai pareil. Moi, je me rappelle quand j'étais. Je prenais pour Will Kirby dans Big Brother. Ouais, surtout Will. Puis là, j'écrivais ses forums, puis je le défendais, puis je faisais comme yes, il a fait un coup, il a fait ci, il a fait ça, c'est le fun, hein, il jase. Ils veulent dire qu'aussi un peu, là, les trucs qu'il faisait. J'écrivais ses forums, moi, j'étais un partisan d'eux, puis je m'amusais, puis il y a du monde qui faisait comme non, nous autres on l'haït. Moi j'étais comme moi je l'aime, puis là c'est des grosses batailles. Puis... quelque part j'aimais ça, je trouvais ça le fun. Quelque part j'espérais un jour qu'il y ait du monde qui parle de moi de cette façon-là. Puis finalement, ben ça a été le cas. Alors, non, je suis. Ça me fait quoi en dedans? Je pense pas que je suis sentimental, là. Regarde. Pour venir full arrogant, checker bien ça. Ouais. Ah, moi, vous autres, je suis pas capable de mentir. Ok. Ouais, je pourrais peut-être vous dire, ben, j'étais un bon garçon, pis tout, mais. Je pense que ça marcherait pas. Hein. Reste un petit 4 minutes après ça, je pense que Sébastien va. Il va aller se canter parce que. Ouh, il a de la misère, moi. Le pauvre petit Sébastien, il fait pitié. Hein.